những giai điệu ngẫu hứng, chiết giọng năm cao đặc biệt, đôi tay chơi đàn accordion điệu nghệ là những nhận xét mà bạn bè và rất nhiều khán giả dành tặng cho Mathieu Hà, một nghệ sĩ tự do người Pháp gốc Việt. Anh còn nổi tiếng nhờ phong cách biểu diễn và sáng tác cùng lúc ngay trên sân khấu. Sân khấu của anh có thể là một khán phòng, nhưng cũng hoàn toàn có thể là đường phố. Để đến được nhiều quốc gia trên thế giới, Mathieu Hà cùng nhóm nhạc Easter của mình đã nhờ những người lái xe nối giúp chiếc thùng xe du lịch di động của anh vào xe ô tô của họ để kéo đi. Với phong cách sống và biểu diễn hết sức ngẫu hứng này, Mathieu Hà đã để lại nhiều ấn tượng trong lòng khán giả tại hơn 20 quốc gia mà anh đã đi qua. On m'a dit que vous ne prépariez pas des paroles, des chansons avant de chanter pendant le spectacle, c'est vrai? Oui, exactement, exactement. Et pourquoi? Ben, tout d'abord, j'ai chanté avant dans une chorale quand j'étais petit. C'était une chorale catholique. On chantait dans les églises, mais elle avait la particularité, et c'était peut-être l'une des seules à le faire, c'était d'enseigner le chant sans partition. Sans lire quoi que ce soit du chant, mais juste apprendre le chant par l'oreille. Et alors, pour l'initiation, ça se faisait ainsi. On rentrait dans la chorale pendant le concert et on commençait à faire du playback. On ne connaissait pas du tout le chant. Et au bout d'un mois d'une tournée qu'on faisait avec la chorale, on commençait à retenir les chansons et on chantait par exemple de l'italien sans avoir aucune notion de l'italien. On chantait de l'allemand sans avoir aucune notion de l'allemand. On chantait du latin, etc. Alors ce qui faisait que j'ai vite appréhendé le chant sans aucune notion du langage, mais juste sur une notion sonore et musicale. Enfin voilà. Ensuite, après, quand j'ai commencé à chanter pour moi, il m'est venu à l'esprit que si je commençais à mettre des paroles en français sur une musique que je composais, ça pouvait changer mais totalement le sens de la musique et la puissance de la musique que je pouvais composer. Parce que en fait, par là, j'ai une nécessité de pouvoir exprimer une chose très très profonde dont les mots ne sont pas suffisants. Pour moi, personnellement. Et genre, donc, j'essaie de transcender un langage musical plus qu'un message vocable pour les gens. J'essaie plutôt de toucher les gens par l'intensité musicale et par la prouesse de la voix que par un texte. Mais parfois, on ne comprend pas ce que vous chantez. Non, mais à ce niveau-là, ce n'est plus important. Enfin, je m'efforce à donner un sens sonore plus que... Vous savez, par exemple, vous pouvez dire « je t'aime » à votre femme, et ce n'est pas vrai, quoi. Et puis, répéter sans cesse les mêmes mots, pour moi, parfois, ça n'a plus de sens. Ça perd son sens. Ça peut perdre son sens que chanter... des onomatopées, chanter sans parole, pour moi c'est comme Charlie Chaplin qui fait du cinéma sans parler, mais juste avec des images. C'est ça, quoi. N'avez-vous jamais eu peur de vous retrouver un soir comme les écrivains devant la page blanche? Ça m'est pas encore arrivé, j'y pense même pas. C'est justement avec ce mode d'expression. On est sans cesse en renouvellement, on n'a pas justement la contrainte d'un oubli. C'est aussi quelque chose qui se joue aussi avec le souffle, la respiration. Par exemple, parfois, il suffit. C'est surtout ça la préoccupation, c'est le souffle. Si je n'ai pas assez de souffle, alors peut-être une syllabe pourrait sauver mon chant plus qu'une autre. Que si je devais chanter une phrase bien précise avec un souffle réduit, je n'arriverai peut-être pas, mais que par le fait que je puisse inventer sur le moment même mes sonorités, elles sont souvent en réponse en fonction du souffle que j'ai au moment où je chante. En tout cas, regardez, quand on écoute l'opéra, quand on écoute Elvis Presley, mais quand on écoutait Elvis Presley en 1950, du temps où la France ou bien le Vietnam ne parlait pas du tout anglais, on était quand même touché par ça. On était,
On peut être touché par ce qu'ils font. On n'a pas forcément obligé de comprendre le langage anglais ou français. Si la musique est là, elle peut se suffire à elle-même. Et voilà, c'est pour ça que je veux pas. Pour moi, la musique est tellement importante que, enfin, que dans la majeure des cas, je ne veux pas la mettre en balance avec un texte. Parce que parfois, je trouve que c'est malheureux pour la musique, un texte. Bon, c'est mon avis, hein. C'est tel que je pense, mais je ne crache pas non plus sur les grands chanteurs à texte, hein. Ils font des textes remarquables. Alors, quel but êtes-vous revenu aujourd'hui? Je viens ici pour essayer d'organiser pour 2010, dans 2 ans, un festival à Hanoï, ouais, ou au Vietnam. Enfin, mais je suis en train de réfléchir. Je vais voir si c'est possible ou c'est pas possible. Et ce serait un festival qui s'appellerait le Festival des Orientales. C'est-à-dire ? Des Orientales, en fait, c'est un jeu de mots. C'est comme désorientation. Désorientation, désorienté. Et qui peut y participer ? Avec des artistes vietnamiens, avec des artistes japonais et chinois. Et belges. Il pourrait y avoir du théâtre, il pourrait y avoir de la danse, il pourrait y avoir de la musique, la peinture, voilà, c'est... Et en faisant ce festival, je me dis que ça pourrait donner alors l'occasion à plusieurs artistes de différents pays de se rencontrer et de permettre à chacun de pouvoir alors bouger ailleurs et pas rester ici, seulement ici, parce que un artiste, ça doit bouger, c'est la chose la plus importante pour un artiste, c'est son territoire. Est-il vrai que jusqu'à 28 ans, vous avez toujours été convaincu que vous étiez d'origine chinoise? Oui, mes origines, à 28 ans, j'ai su d'où je venais. Ouais. J'étais adopté en fait par une famille française qui jusqu'à présent pensait que j'étais chinois. Et au moment où j'ai commencé à faire des recherches, j'ai découvert que j'étais d'origine vietnamienne. J'aimerais bien retrouver ma maman. Oui, j'aimerais vraiment la retrouver. Et puis aussi, pourquoi pas essayer de retrouver le reste de la famille qui doit être à Saïgon. Parce que dans le dossier, j'ai appris que son frère était retourné à Saïgon. Voilà. Alors, je peux lancer une annonce. Si vous connaissez une famille dont le grand-père aurait été photographe pour le gouvernement de Saïgon, ben ils peuvent m'envoyer des informations. Ça serait très très sympa. Envoyez ça à la télévision et puis la télévision me fera parvenir. Voilà. We love you. La découverte de votre pays natal vous a encouragé à participer plus régulièrement aux activités musicales au Vietnam? Oui, il y a de ça. En fait, j'ai rencontré des artistes locaux de Vietnam. Et en fait, avant de les avoir rencontrés, j'avais déjà fait des concerts au Japon et en Chine, où j'ai rencontré des artistes chinois et japonais. Et ce qui m'intéresse aussi, c'est de pouvoir essayer de faire un genre de réseau de connexion, d'échange entre les artistes, permettant à ceux-ci de pouvoir bénéficier des endroits locaux pour faire des concerts, par exemple. Je vous remercie beaucoup.